J'ai acheté cette caméra 20 euros sur Temu. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as acheté une caméra sur Temu, ça va pas être une qualité de folle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les gars, c'est Zirko. J'espère que vous allez bien, comme tu l'auras compris. Je vais te présenter cette petite caméra achetée 20 euros sur Temu. Alors, tu vas pas me dire, avec 20 euros, tu vas aller loin. À voir. Déjà, faut savoir, comme c'est marqué juste là, c'est du 1080p, donc une résolution pas si folle que ça non plus. C'est une qualité normale, mais une bonne qualité. Bon, tu l'auras compris que j'ai déjà ouvert le paquet pour voir s'il n'y avait pas de problème, si c'était pas abîmé ou autre. J'ai pu tester du coup et cette caméra. Et si je vous présente cette caméra en vidéo, c'est que généralement on va vous dire sur Temu, ouais, les caméras sont pas qualitatives, machin, truc, bidule chouette. J'ai été putain d'agréablement surpris par cette caméra. 20 euros, je suis choqué. Je me suis dit, je m'attends à rien, je vais être déçu, mais au moins je m'attends à rien. Je m'attendais à rien, et j'ai été surpris. Donc là, c'est là où vous vous dites, s'il tourne cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Et on va se tester cette caméra sous deux environnements. Là, je suis dans ma chambre, donc l'éclairage ne sera pas la même que l'éclairage dehors. Mais on va aussi se le tester dehors, et vous allez voir que la qualité est bonne. Donc là, j'ouvre le paquet. Si vous voulez retrouver cette caméra sur Temu, voilà, c'est ça la caméra. Mini body caméra, donc si ça vous intéresse, voilà. Dedans, ça se présente comme ça. Vous avez la boîte où il y a la petite puce. Ah, elle est pas là, la puce. Normal, j'ai testé, donc elle est directement dans le petit truc, dans la petite caméra. Vous avez aussi ce petit fil pour recharger. Et ça, une clé USB. Vous allez dire, mais la clé USB, elle sert à rien. Eh ben si, vous pouvez mettre votre carte SD là-dedans et la mettre sur votre PC et vous transférer votre dossier directement sur votre PC. Et ça, c'est vachement pratique parce que ça évite de racheter des SD tout le temps. La caméra est toute petite. Alors là, vraiment, je te dis toute petite, elle est toute petite. Tu vois, vis-à-vis de la taille de ma main, elle est toute petite. Bon, rotation que tu dois faire à la main, mais tu vois, une bonne petite rotation de caméra déjà. Donc ça, c'est cool. Là, vous avez l'écran devant. Comme ça, vous pouvez regarder ce qu'il y a et tout. Le micro, vous allez voir, c'est pas le micro le plus dingue du monde, mais c'est un micro quand même assez sympa. Donc là, vous pouvez démarrer. Ici, vous avez deux flèches. Là, pour zoomer en bas, en haut, pour dézoomer. Ici, vous avez un bouton OK, c'est juste pour lancer le rec et l'éteindre le rec. Bon, rien de spécial. Et là, vous avez un bouton, sûrement un bouton retour, je sais pas, ça, je l'ai pas testé ce bouton-là, je vais t'avouer. Donc là, on va se l'allumer. Tac, elle s'allume et hop. Voilà. Vous me voyez en retour en plus dedans. Tu sais quoi, on va se la tester ensemble et tu vas me dire ce que t'en penses. Yo mec, comment tu vas? Je me filme moi-même dans l'écran. Attends. Hop. Ah, la caméra est à l'envers. Et là, elle est à l'endroit. Mais par contre, du coup, sur mon écran, elle est à l'envers. Et t'inquiète. Je pense qu'on entend bien autour le son de la caméra de mauvaise qualité. Qui est pas très bon. On va dire la qualité est pas folle. Mais voilà. Par contre, la qualité caméra est plutôt bonne. Voilà, vous me voyez. Salut les mecs. Ça va? Tranquille. Voilà, j'ai pu rec avec. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette caméra. Moi, franchement, je suis agréablement surpris. La qualité visuelle est déjà plutôt bonne. En plus, là, je vais vous montrer un rec que j'ai pas fait. Mais regardez, là, je vais faire un rec ensemble. Tac, tac, tac. Regardez, on peut zoomer et dézoomer. C'est incroyable. Par contre, vous allez voir, on entend bien autour les bruits environnants de la caméra. Mais on peut rien y faire. Et pour 20 euros, franchement, on peut pas se plaindre. Et puis si vous voulez retrouver cette caméra, elle est disponible sur Temu. Je sais que c'est pas le meilleur site du monde, mais je voulais juste tester et me dire, allez, ça peut faire une petite vidéo bien sympa pour voir est-ce que la qualité est bonne ou non. Si elle n'aurait pas été bonne, je vous l'aurais même pas présenté. Mais la qualité est plutôt bonne. Oula, mes cheveux partent en cacahuète là. Mais du coup, c'est pour ça que je vous le présente en vidéo. La qualité est plutôt bonne. Et franchement, en plus, regardez, on peut l'accrocher à un truc pour le stabiliser. Alors moi, j'ai un stabilisateur, je peux le poser sur un stabilisateur et directement filmer comme ça, tu vois. C'est trop pratique. Bref, en tout cas, les gars, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et si ça vous intéresse d'avoir cette petite caméra, bah vous avez le nom et vous pouvez aller la chercher sur Temu, AliExpress et tout. Je pense que vous pouvez la trouver assez facilement. Et voilà, si ça vous intéresse, bah allez voir. Moi, je fais pas de pub parce que je sais que Temu, AliExpress et tout, bah c'est pas... Vous aurez compris, hein. C'est pas ce qu'il faut... Voilà, c'est pas fou, hein, généralement. Hein. Donc voilà. Bref, mais là, je suis agréablement surpris, donc je vous présente cette caméra logiquement. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et à partager. Moi, je vous laisse à suite. Ciao, ciao. A plus.